Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, je pose un boîtier E85 sur la chargeur. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer quel boîtier j'ai choisi, pourquoi je l'ai choisi et surtout comment l'installer. Donc si vous êtes intéressé pour passer votre véhicule à l'E85, sachez qu'il existe maintenant des boîtiers qui sont homologués, donc que vous devrez faire poser par un installateur agréé, mais c'est limité pour les véhicules de 14 chevaux. La chargeur, elle fait quasiment 3 fois 14 chevaux, donc dans tous les cas, ça ne sera pas homologué, donc du coup, je peux poser ce que je veux. Alors le boîtier que moi je pose, je ne l'ai pas choisi par hasard, j'ai quand même fait pas mal de recherches dessus. Je vais vous expliquer ce qui m'a convaincu de le prendre. Et puis surtout, j'ai été aidé par un gars qui s'y connaît vachement, hein. Donc big up Joss si tu passes par là. Allez, on perd pas de temps et puis on voit ça de suite. Bon, on va commencer par la présentation du matériel. Donc, avant toute chose, je tiens quand même à préciser que c'est pas un placement de produit, hein. Moi, j'ai acheté ce matériel parce que j'ai été bien conseillé, tout simplement. Je l'ai acheté, je l'ai payé. Je fais pas de pub, je fais rien. Enfin, si, je fais un peu de pub parce que j'estime que c'est un bon produit. Mais bon, je tire aucun avantage à vous présenter ce produit. Donc voilà, ça c'est dit, on peut y aller. Donc la marque du boîtier de conversion, c'est eFlex Fuel. C'est un produit qui est conçu et fabriqué en Finlande. Il sera automatiquement livré avec les connecteurs qui vont s'adapter à votre type d'injecteur. Vous pouvez aussi aller sur leur site où vous avez un formulaire à remplir pour voir si votre véhicule est compatible pour le bioéthanol. Pareil, sur leur site, ils indiquent que le produit a été testé en Finlande jusqu'à des températures de moins 30 degrés. Donc s'ils le marquent, je pense qu'il y a certainement une part de vérité. Bon, on verra ça à l'usage. Bon, allez, on va voir les différents éléments du kit. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre boîte? Donc, bien sûr, la centrale principale. Donc, qui présente bien, c'est lourd, on a une impression de qualité qui se dégage. Bien sûr, elle est 100% étanche. Et puis, elle est Bluetooth. Alors, elle est Bluetooth pourquoi? Parce qu'il existe une application que vous pourrez télécharger, qui marche aussi bien sous iOS et sous Android, et qui permet de vérifier d'une le bon fonctionnement du boîtier, de remonter les éventuels codes défauts et surtout très très important de vérifier le duty cycle des injecteurs. Ça c'est hyper important quand on passe à l'éthanol puisque forcément les injecteurs y restent ouverts plus longtemps et quand vous êtes à haut régime il peut s'avérer que vos injecteurs soient un peu limites. Donc si vous tournez trop pauvre, grâce à l'application vous le verrez. Ce que beaucoup de boîtiers ne font pas. Après à côté, vous avez le faisceau bien sûr. Donc, qui vient se connecter sur le boîtier. Donc ce faisceau, il est prévu pour 4 injecteurs à la base. Ce faisceau intègre également une sonde de température. Alors pourquoi c'est important d'avoir une sonde de température? Ça c'est pareil, beaucoup de kits de conversion n'en ont pas. Tout simplement parce que ceux qui s'intéressent à l'éthanol, ils savent qu'une des difficultés, c'est le démarrage à froid. Et en fait, ce boîtier, eh ben, il intègre une fonction d'apprentissage des démarrages à froid. Donc en fonction de la température, chaque fois qu'il fait froid, chaque fois qu'un démarrage rate ou loupe ou démarre mal, le boîtier apprend et il fera le nécessaire pour que la fois d'après ça se reproduise plus. Et ça, bien sûr, sans capteur de température, c'est pas possible. À côté de ça, il y a le câble de masse aussi, donc il est très important qu'il ne faudra pas oublier de raccorder. Et il y a le connecteur pour le capteur d'éthanol. Donc capteur d'éthanol, on y vient, c'est ça. Alors pourquoi c'est important d'avoir un capteur d'éthanol? Tout simplement parce que le 85, il est censé y avoir 85% d'éthanol dedans, mais suivant les saisons, ce n'est pas toujours le cas. Il y aura peut-être 85% en été, en hiver, ça ne sera pas le cas. Et de toute façon, vous serez amené à faire des pleins soit d'éthanol, soit de sans-plomb, un mélange des deux dans n'importe quelle proportion. Donc il est très important que le boîtier sache la teneur exacte en éthanol. Donc ça c'est pareil, c'est vérifiable via l'application. Et en fonction de la teneur en éthanol, le boîtier lui il adaptera les temps d'injection. Pour brancher le capteur d'éthanol, bien sûr le kit est fourni avec tout un tas de raccords. Ce sont des raccords rapides, hein, donc qui se branchent tout simplement. Clic, voilà, c'est verrouillé, c'est étanche. On peut les enlever. Si votre véhicule est équipé de ce genre de connecteur aussi, ce qui est souvent le cas, ce qui est le cas sur le mien, le capteur se branchera sur le circuit d'alimentation en 2 minutes.
C'est fourni avec du riz, bien sûr, pour faire le nécessaire. À côté de ça, il y a un faisceau secondaire aussi. Donc ça, c'est pour les véhicules de plus de 4 cylindres. Parce que le faisceau principal, il est pour 4 cylindres, mais il intègre bien sûr les sorties pour 5 cylindres, 6 cylindres ou 8 cylindres. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, oui, une dernière chose, la polarité des injecteurs de votre voiture peut varier d'une marque à l'autre. Donc en fait, quand vous recevez le kit, les connecteurs des injecteurs ne sont pas montés. Vous recevez le connecteur avec les pins. Donc il faudra voir la polarité de vos injecteurs et après assembler les connecteurs. Je les ai déjà tous faits, j'ai juste laissé celui-là ouvert pour vous montrer comment ça se présente. C'est très facile, hein, il suffit juste de prendre le pin, on l'enfonce dedans, on le pousse un petit peu avec un petit tournevis, ça se verrouille et puis c'est réglé. Bon ben voilà, il reste plus qu'à assembler tout ça sur la voiture. Bon, une fois que vous êtes sous le capot, on commence par dégarnir les caches moteurs si vous en avez. Voilà. Et là, déjà, on a une vue d'ensemble. On voit d'une part la rampe d'intérieur. Bon, attendez, je vais enlever ça aussi. Hop. On a la rampe d'injection. Donc moi, j'ai la même de l'autre côté puisque c'est un V8. Et on a les injecteurs. Donc 1, 2, 3 et le quatrième ici au bout. Et pareil, 4 de l'autre côté. Alors, dans un premier temps, on va faire par le plus simple. On va s'occuper d'installer le capteur d'éthanol. Donc comme vous voulez. Avant de débrancher le connecteur, si votre véhicule est à l'arrêt depuis un moment, vous pouvez le débrancher, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous venez juste de rouler, le circuit est sous pression. Donc là, je vous conseille d'enlever soit le relais de la pompe à essence ou le fusible, de mettre un coup de démarreur pour faire chuter la pression. Ou au pire, caler des chiffons partout, mais au moment de l'enlever, vous aurez une perte de carburant. Par contre, si votre véhicule est à l'arrêt depuis plusieurs heures, la pression aura chuté. Donc, vous pouvez le démonter sans souci. Donc voilà. Donc voilà, il n'y a rien qui est sorti. Donc là, j'ai juste à récupérer le petit clip. Je remets dedans. Voilà. Donc le branchement du capteur d'éthanol, comme je vous l'ai expliqué, c'est du raccord rapide. Voilà, c'est fait, c'est fini. Reste plus qu'à voir où c'est qu'on le place. Donc vous pouvez le mettre n'importe où. Et en fonction de l'endroit où vous le mettez, après il faudra refaire un morceau de durite. Donc je vais m'occuper de fabriquer mon bout de durite et puis je reviens par la suite. Donc ça y est, j'ai fabriqué mon morceau de durite. Hein, donc c'était très rapide. Hein, il y a juste à couper la durite à la bonne longueur. On met les raccords rapides, le collier, et puis c'est fini. Et pour le branchement, ben, c'est vraiment simple, hein. Donc clic, voilà. Et puis, pareil ici. Et voilà, et c'est réglé. Et le capteur d'éthanol est en place. On va passer maintenant aux injecteurs. Donc dans un premier temps, on va vérifier la polarité. Donc pour vérifier la polarité des injecteurs, vous commencez par les débrancher. Vous pouvez tous les débrancher, puisque de toute façon, il faudra tous les débrancher. Donc là, c'est souvent des languettes à appuyer, suffit de tirer, hein, c'est un peu comme tous les connecteurs, hein. Là, il n'y a pas de secret. Voilà. Ensuite, vous prenez un voltmètre, voilà, que vous reliez d'une part à la masse et d'autre part sur un des câbles des injecteurs. En fait, le but, c'est juste de trouver lequel des deux câbles ramène le 12 volts. Voilà. Si vous êtes à deux, vous demandez à quelqu'un de mettre le contact. Moi, je suis tout seul, donc j'ai fait ce petit montage. Je vais aller mettre le contact pour voir s'il y a 12 volts ou pas. Donc là, j'ai bien les 12 volts. En admettant que j'avais rien, il aurait fallu faire le même essai sur le deuxième câble. Donc la notice, elle dit que pour assembler le connecteur, on doit mettre le câble rouge sur le côté du 12 volts du connecteur. Donc la languette, elle est à droite et mon câble 12 volts ici, il est à gauche. Donc en fait, ça sera le câble du signal. Et les connecteurs, en fait, il y a à chaque fois un câble rouge et un câble d'une autre couleur.
Donc il y a du vert, du jaune. Hop, où c'est que j'en ai encore un qui traîne là? Il y a du bleu, du violet. Donc en fait, chaque couleur correspond à un cylindre. Ça, c'est indiqué dans la notice. Je vais vous la montrer. Comme ça, vous pouvez câbler correctement. À savoir que même si vous vous trompez d'un cylindre à l'autre, c'est pas grave du tout puisque chaque cylindre marche indépendamment. Du moment que vous reprenez le signal d'un injecteur, que vous le remettez sur le même injecteur, ça marchera. Je veux dire, si je mets ce câble-là sur le cylindre numéro 3 là, ça marchera. Si je prends ce câble à la place, ça marchera aussi. C'est juste au niveau de l'application, les cylindres ne correspondront pas. Mais bon, tant qu'à faire, autant le faire correctement. Donc ouais, revenons à notre connecteur. Donc le 12 volts ici, il est à gauche, à droite c'est le signal. Donc quand je reprends mon connecteur comme ça, bah c'est bien là, le câble rouge, il doit bien être à gauche sur le 12 volts. Donc là, on peut finir de l'assembler. Suffit juste de le présenter et on le pousse dedans pour qu'il se verrouille. Voilà, là il a la bonne hauteur, c'est bon. Et vous faites comme ça avec tous vos connecteurs. Et une fois que ça sera fait, on pourra passer au branchement. Donc maintenant que tous les connecteurs sont assemblés, on peut passer au branchement. Alors au branchement, il n'y a vraiment rien de sorcier. Il suffit juste de prendre le câble, enfin la paire de connecteurs qui correspond au cylindre. Donc là j'ai, par exemple ici c'est le bleu, c'est le cylindre numéro 3, puisque moi ma numérotation c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici c'est mon cylindre numéro 3. Donc là je prends mon connecteur, je le rebranche dans le connecteur d'origine. Et suffit de brancher ça sur l'injecteur, clic et voilà, et c'est fini. Et vous faites ça sur tous les injecteurs. Donc je vais faire ça et puis je vous reprends juste derrière. Bon ben ça y est, tous mes injecteurs sont branchés et puis dans le bon ordre. Donc à ce moment-là, je peux déjà prendre ma centrale et la brancher sur le connecteur principal. Voilà, ça c'est fait, c'est très rapide. Ensuite, je peux prendre le connecteur de mon capteur d'éthanol et le brancher sur le capteur. Ça c'est fait. Il me reste plus qu'à brancher mon câble de masse, donc avec une cosse à œil. Donc là, à vous de trouver une bonne masse. Hein, donc moi j'ai une vis ici, donc je vais le mettre là-dessus. Donc je vais brancher mon câble de masse et après on va voir pour le capteur de température. Donc pour brancher le capteur de température, c'est préconisé de le mettre près d'un endroit chaud. Donc moi j'ai choisi de le mettre ici contre cette durite. Là il y a la pompe à eau en fait. Donc ça c'est une durite qui sort directement de la pompe à eau. Donc j'aurai un très bon relevé de la température du moteur. Entre-temps j'ai aussi fixé mon boîtier sur la traverse ici. Bon tout ça c'est un petit peu provisoire. Hein. Là c'est surtout pour que ça marche. On verra plus tard pour faire un truc propre. Bon je vais déjà m'occuper de fixer mon capteur de température et puis je vous montre ça tout à l'heure. Ah ben ça y est, j'ai accroché mon capteur de température. Donc là, il est au plus près de la durite. Donc il relèvera vraiment la température du moteur bien précisément. Puisque ce capteur, en fait, il n'agit que à froid. Donc c'est important qu'il détecte aussi quand le moteur devient chaud. Donc tout est branché. La masse est branchée. La centrale est branchée. Le capteur d'éthanol est branché. Bon ben ma foi, il reste plus qu'à faire un essai pour voir si ça démarre. Bon, on met le contact. Et l'instant de vérité. Bon, bah, visiblement, ça marche très bien. Hein. Nickel. Bon, bah, je vais vous montrer comment fonctionne l'application qui gère tout ça. Donc pour l'application, vous cliquez dessus pour la lancer, vous cliquez sur Connect, vous choisissez eFlex Fuel dans la liste des éléments auxquels vous pouvez vous connecter. Bien sûr, vous appuyez sur OK, et puis là, vous avez le menu principal. Donc si vous appuyez sur Jauge, vous avez
une jauge du duty cycle des injecteurs. Donc là, c'est pas mal pour le voir en gros. Si vous cliquez sur charts, alors ça, c'est, j'admets, c'est un peu gadget, hein, ça vous donne un graphique, donc toujours pareil sur le duty cycle des injecteurs. Je vois pas trop à quoi ça peut servir, d'autant plus qu'on peut pas l'imprimer, on peut pas l'exporter, on peut rien faire. Donc ouais, c'est vraiment gadget quoi. Bon après ça y est, voilà, on va pas cracher dessus. Si vous cliquez sur Check Fault Code, donc là c'est pour lire les codes défauts. Donc bah, il n'y en a pas. Vous cliquez sur Data. Donc là, c'est vraiment la fonction qui nous intéresse le plus. On a en haut, en rouge, les 8 cylindres. Donc là, en fait, il y en a 4 qui sont éteints, qui viennent de se rallumer. Ça, c'est parce que je suis équipé du MDS. Donc c'est une fonction qui coupe 4 cylindres quand on roule à allure constante. En dessous, on a bien sûr le duty cycle des injecteurs. Bon, là, ça met 0 parce qu'en fait, je suis en train de ralentir. Je suis en train de rouler, donc voilà, là on est régime de ralenti. On a le pourcentage d'éthanol juste en dessous, ça c'est intéressant de le savoir. Et puis on a trois mesures de température, hein, donc la température actuelle, la température minimum au moment où on a lancé l'application et la température max. Et bien sûr, le capteur éthanol intègre aussi un capteur de température de l'essence, enfin de l'éthanol. Et un petit rappel en dessous des codes. Donc pour les codes, hein, attention, c'est pas un lecteur OBD, hein, c'est vraiment les codes propres au boîtier, hein. En aucun cas, ça lira les codes défauts de la voiture, hein. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon ben ça y est, le boîtier est posé, puis il est opérationnel. La chargeur démarre au quart de tour, donc pour l'instant aucun souci. On va voir à l'usage. Donc ce qui est surtout intéressant, c'est de voir les démarrages à froid, puisque là on est au mois de novembre, l'hiver approche, et comme je vous l'ai expliqué, ce boîtier est équipé d'une fonction d'apprentissage des démarrages loupés. Donc là je suis impatient de voir si ça vaut vraiment le coup, si c'est du pipi de chat. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que chaque fois qu'il va faire très froid, je vais juste filmer la phase de démarrage, donc une petite vidéo de quelques secondes. J'en ferai une compile de toutes les phases de démarrage, je mettrai ça en ligne vers le mois de mars-avril. J'en profiterai également pour vous montrer l'installation mis au propre, puisque j'ai quand même l'intention de reprendre tout le faisceau afin de l'intégrer au mieux sous le capot. J'en profiterai aussi pour faire un petit compte rendu. J'aurai pas beaucoup de recul, hein, ça sera 3-4 mois, mais bon, c'est toujours ça de prix. Ça me permettra déjà de voir les consos, tout ça, enfin comment ça se comporte en général, hein. Tout ça, je mettrai dans une vidéo. Il y aura le lien là-haut quelque part quand elle sera en ligne. Il y aura aussi un lien en fin de vidéo, bien sûr, hein. Voilà. Donc si la vidéo vous a semblé utile ou vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est toujours sympa. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche sinon ça ne sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.